this all a masquerade. For the love of my diamonds and 9-11s. Ain't no evil, see no evil in my land. Same old story, pain and glory fit inside your categories. Numbers should die, wouldn't see another day. What more can I say? I think the rain, my guardian angel, fall from heaven just like it will come and take away the pain. Bonjour à tous, j'ai le plaisir d'être aux côtés de Pierre Ménès pour vous faire vivre. Partager, Hervé. Oui, je sais bien, je sais bien. Pour vous faire vivre donc cette rencontre de la deuxième journée de l'UEFA Champions League. Ouais, salut à tous. Et dans ce match, nous retrouvons l'Olympique Lyonnais face au Shakhtar Donetsk. Votre avis, Pierre, sur ce match? Ça va être très serré en fait, Hervé. Hein. Je pense qu'on devrait vraiment avoir droit à un beau duel entre deux équipes très proches. Phase de groupe où sur le temps, à peu près tous les pays ont déjà été représentés une fois. Bon, on repart les tout petits pays, bien sûr. Hein. Ouais, Saint-Marin, Gibraltar, Liechtenstein. Ouais. Bon, l'Islande non plus n'a pas été en Ligue des Champions. Je pense aussi que l'Irlande, les Pays-Baltes. Bah, c'est vrai que c'est une compétition qui aujourd'hui est assez fermée et réservée aux plus grands clubs. Je vous laisse découvrir la composition de l'Olympique Lyonnais aujourd'hui. L'entraîneur a choisi d'aligner ses joueurs en 4-4-2 avec un milieu en losange. Bah, ou en diamant, comme disaient les Anglais, qui ont plus d'argent. L'entraîneur confie donc les clés de l'animation offensive à son milieu offensif axial. Voici donc l'équipe visiteuse alignée par l'entraîneur. Le schéma tactique retenu par l'entraîneur aujourd'hui. Un 4-5-1, semble-t-il. L'idée est surtout d'empêcher l'adversaire de passer le milieu de terrain. Ce match qui vient donc de débuter. Oui, le deuxième match dans ce groupe pour ces deux équipes. Il choisit la frappe. Oh, le but, l'ouverture du score! L'ouverture du score déjà. Ah, ça n'aura pas traîné. Voilà une équipe qui a l'air pressée de gagner aujourd'hui. Quel but, hein. Frappe lointaine de l'intérieur du pied qui finit à droite des cages. Le but sous un autre angle. Les Lyonnais qui mènent. Taras Stepanenko. Yaroslav Rakitski.
Raphaël. Ah oui, magnifique ça. Oh, il l'a bien enrhumé. Hein. Ah, il est bien sorti là pour intercepter ce ballon. Nabil Fekir. Ouais, la tentative. Oh oui, le but. Le but signé Nabil Fekir. Et pour une fois, il a marqué de son pied le plus faible. Hein. C'est peut-être ça qui a surpris le gardien, d'ailleurs. Hein. Il ne s'attendait peut-être pas à ce qu'il frappe aussi bien dans cette position. On voit ce but sous un autre angle. Ils ont à présent une avance confortable. Taras Stepanenko. Jaroslav Rakitski. Wellington. Depay. Lucas Touzard. Ouais, la frappe. Il est le premier sur cette passe. Alan Patrick. Tyson. Ah, il y a beaucoup d'espace devant. Oh, le centre peut-être. Ah, j'ai parlé un petit peu trop vite. Oh, il est passé, il va pouvoir marquer. Un superbe exploit du gardien sur ce plongeon. Ce dégagement qui file en touche. Bertrand Traoré. Le centre à destination de ses partenaires. Ouais, bien donné ce ballon, mais le danger est écarté. Wellington. Ouais, bonne interception. Il est sorti de nulle part. Il a jailli. Raphaël. Ismaili. On donne dans l'axe. Attention. Ouais, ça passe loin. Très loin du cadre. D'ailleurs. Il n'y a personne pour contrer l'action des Lyonnais sur les côtés. Allez, il y a du monde pour reprendre. Oh oui, but ! Ils ont réussi à faire le décalage. Le centre en fuite était parfait. La conclusion aussi. Quelle action, Pierre. Surtout, quelle finition. Hein. Oui, c'est vrai. Tout est parfait. Le centre, la reprise de volée. Timing exceptionnel. On va peut-être mieux voir ce qui s'est passé. Il semble prendre un avantage quasi décisif. Taras Stepanenko. Wellington. Bertrand Traoré. Nabil Fekir. Il n'y a personne pour contrer l'action des Lyonnais sur les côtés. Fekir. Oh, la barre. Et le ballon qui sort.
Dallaire. Lucas Touzard. Le ballon qui passe d'une équipe à l'autre. Ouais, il lui remet. Marcelo. Dallaire. Nabil Fekir. Depay. Le long de la ligne de touche. Ah, il a bien lu ce centre, le gardien. Marlos. Tyson. Les 30 derniers mètres. Il est en train de les rendre fous, les défenseurs, regardez. Il a l'air de bien s'amuser, puis comment en face, on le laisse faire tranquillement. Traoré, Raphaël, le dégagement pour éloigner le danger. Il prend sa chance. Il travaille bien son ballon et il marque en finesse. Avec ce nouveau but, on a vraiment l'impression que les Lyonnais ont fait la différence. Les Lyonnais ont frappé un grand coup dans cette rencontre. Le match qui a clairement tourné maintenant. Taras Stepanenko. Cocholava. L'Olympique Lyonnais dans l'histoire reste bien sûr marqué par ses fameux titres successifs dans les années 2000. Bah oui. Elle, la voilà la frappe. Oh, l'occasion. Ballon capté par le gardien. Elle était bien placée pour intercepter cette passe. La petite passe en cloche. Lucas Touzard. Il tente un tacle glissé dans la surface, en pleine surface. Il sait que c'est dans la surface. Non, ça va s'arrêter là. C'est un hors-jeu. Il n'avait pas le choix, il fallait vraiment qu'il revienne. Tyson. Il n'y a personne pour contrer l'action des Lyonnais sur les côtés. Oh, le but peut-être. Ouais, cette frappe qui est contrée, bien défendue. C'est la fin de cette première période. Le match qui semble déjà plié, le trou est fait 4-0. Petite analyse, Pierre, sur la première période de Memphis Depay. Il a signé un doublé qui a eu son importance dans cette première période. Son équipe a le match en main désormais. Espérons que cette seconde période soit un petit peu plus équilibrée. C'est vrai que cette équipe n'a pas été beaucoup inquiétée en première période. Marlos. Ballon récupéré par Lyonnais. Depay. Personne pour contrer l'action des Lyonnais sur les côtés. Nabil Fekir. Non, c'est contré.
Ils construisent, ils font tourner. Ouais, la frappe. Ouais, la frappe de loin. Oh, le tacle et le ballon qui n'est pour personne finalement. La passe qui était trop appuyée. Marlos. Ouais, mal assuré. Ça file en touche. Nabil Fekir. De paille. On va admirer la technique. Ah, la passe en profondeur, attention. Et l'arrêt du gardien. Marlos. Touche. Taras Stepanenko. Wellington. Ouais, le centre qui ne donnera pas grand chose. Remplacement imminent pour l'équipe visiteuse. Et avec sûrement des petits ajustements tactiques qui vont bien avec. Jaroslav Rakitski. Wellington. Oh oui, encore une bonne passe. Ah, bien défendu, ce ballon récupéré sur l'aile. Lucas Touzard. On arrive dans la dernière demi-heure de cette partie. Allez, peut-être une bonne occasion. Il ne prend pas le couloir finalement. Et la voilà, la frappe. Ça a été touché hein, par le défenseur avant de sortir. Ce sera donc un corner. L'entraîneur du Shakhtar Donetsk va faire entrer un nouveau joueur. Ouais, l'entraîneur qui préfère revoir ses plans pour la suite du match. Un corner bien tiré au niveau du point de pénalty. Ouais, il ne s'est pas embêté avec la relance. Hein. Boum. Ouais, il a le temps de centrer. Il tente sa chance de loin. Et frappe contrée par le défenseur. Kocholava. La petite passe en cloche. Taras Stepanenko. Tyson. L'entraîneur qui a demandé un remplacement. Le joueur est à côté de l'arbitre assistant. Il est prêt à rentrer au prochain arrêt de jeu. De paille. Ouais, pourquoi pas, c'est bien vu. La frappe. Le joueur de l'OL qui marque. Ouais, ça fait deux pour lui. Un doublé pour ce joueur. On voit ce but sous un autre angle. Clairement, ce match tourne à leur avantage. Taras Stepanenko. Kocholava. Alors que nous entrons maintenant dans les 20 dernières minutes de cette partie. La passe est interceptée. L'entraîneur de l'équipe visiteuse qui donne ses dernières consignes au joueur qui va faire son entrée. Une entrée imminente. On voit le quatrième arbitre qui se prépare à annoncer ce changement. Ballon perdu. Lucas Touzard. De paille. Ah oui, c'est bien fait ça. Allez, dans la boîte, il y a du monde. Ah, c'était dangereux. Mais la défense s'est dégagée au grand soulagement du gardien. Ah, la bonne qualité de ses passes. Ouais, peut-être une situation intéressante là. Ils font tourner à l'affût de l'ouverture. Le tir. Ah non, pas comme ça. Il a trop enlevé son tir.
Mendy. Lucas Touzard. Traoré. Oh, c'est bien donné en profondeur. Ah oui, c'est le jeu. Oh, le gardien qui s'en sort. Oh, c'était pas évident. Il a été bien sur ses appuis. Franchement, on peut le féliciter. Ah ouais, ça c'est bien sur l'aile. Ah, c'est une perte de balle. De paille. Ouais, c'est bien dosé ça. Ah, c'est pas loin. Pas loin du tout. Il a voulu jouer en finesse, c'est bien vu, mais ça n'a pas payé cette fois. Il va rendre le ballon à l'adversaire avec cette touche. Kocholava. Viktor Kovalenko. Lyon qui va essayer de confisquer le ballon, histoire de préserver son avance. Ce ballon qui est dégagé. Nabil Fekir. Il n'y a personne pour contrer l'action des Lyonnais sur les côtés. Fekir. Viktor Kovalenko. Ah, c'est pas fini. Ils peuvent peut-être partir en contre. Ils sont entre vers ses partenaires. Ah non, c'est pour personne. Nabil Fekir. Ah, elle a du potentiel cette attaque. Ça peut très bien faire un but. Attaque les pros. L'arbitre qui siffle la fin du match à l'instant, c'est terminé. Et on sent des joueurs soulagés, Hervé, après cette victoire. C'est clair qu'après la défaite, lors de la première journée, il fallait réagir, il fallait marquer des points. Ils ont retrouvé une bonne dynamique. Il faudra qu'ils confirment lors de la prochaine journée. Tu retiens quoi, Pierre, de la prestation de Bertrand Traoré aujourd'hui ? C'est un bon match qu'il vient de livrer, qu'a doublé à la clé. Quand il évolue à ce niveau-là, il a tendance à tirer l'équipe vers le haut. Choisit la frappe. Oh, le but, l'ouverture du score. L'ouverture du score déjà. Ah, ça n'aura pas traîné. Voilà une équipe qui a l'air pressée de gagner aujourd'hui. Nabil Fekir. Ouais, la tentative. Oh oui, le but. Le but signé Nabil Fekir. Personne n'importe. Allez, il y a du monde pour reprendre. Oh oui, but. Il n'y a personne pour contrer l'action des Lyonnais sur les côtés. Fekir. Oh, la barre. Et le ballon qui sort. Il prend sa chance. Il travaille bien son ballon et il marque en finesse. Ouais, pourquoi pas, c'est bien vu. La frappe. Le joueur de l'OL qui marque. De paille. Ouais, c'est bien dosé ça. Ah, c'est pas loin. Pas loin du tout. Il a voulu jouer en finesse, c'est bien vu, mais ça n'a pas payé cette fois.